Coluche disait « On est dans le pays de la bouffe et de la gastronomie, ce n'est pas ici que des gens vont mourir de faim. Et pourtant, c'est bien ici que des gens ont faim, autour de nous, dans nos circonscriptions, partout dans le territoire et de plus en plus. 8 millions de Français sont en situation de précarité alimentaire avérée et un Français sur 5 saute au moins un repas par jour. L'inflation sur les produits alimentaires a atteint 15,8% en un an en mars, ce qui est inédit depuis les années 80. Madame la rapporteure, j'en profite pour vous répondre. Je n'ai aucune leçon à recevoir de votre part. J'ai passé 12 ans à m'engager à la Croix-Rouge française. Je sais ce que c'est que la misère, je sais ce que c'est la pauvreté, je sais ce que c'est les petits salaires, je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Et quand vous nous traitez de mépris, je crois que le mépris, il est chez vous quand vous avez ces propos-là et que vous me regardez dans les yeux pour me dire ce genre de choses. Je n'ai aucune leçon à recevoir de votre part. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que vous connaissiez la misère. Comment vous pouvez regarder ces gens leur disant, face à l'inflation, face à 30% de plus sur les produits dont vous avez besoin, je vous offre la somme de 2 euros par an. Par an, c'est scandaleux.